Le roi Louis XV meurt, Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à seulement 18 ans. Les deux nouveaux monarques, entendant cela de l'autre bout du château, voient accourir vers eux les courtisans venus les saluer, parmi eux la comtesse de Noailles, qui sera la première à lui décerner le titre de majesté. Le roi s'écrie : Quel fardeau ! Et on ne m'a rien appris. Il me semble que l'univers va tomber sur moi. Marie-Antoinette aurait quant à elle soupiré : Mon Dieu ! Protégez-nous ! Nous régnons trop jeunes. Dès son avènement, Louis XVI, sur les conseils du comte de Noailles, offre le château à sa femme Marie-Antoinette par cette formule, rapportée par l'abbé Baudot : Vous aimez les fleurs, madame, j'ai un bouquet à vous offrir. C'est le petit Trianon. D'autres témoins rapportent différemment la scène en ces termes : Madame, ces beaux lieux ont toujours été le séjour des favorites des rois. Conséquemment, ils doivent être le vôtre. Marie-Antoinette pend la crémaillère de sa nouvelle possession, en compagnie de Madame Clotilde, la comtesse de Provence et le comte de Provence, la comtesse d'Artois et le comte d'Artois ainsi que son royal époux qui, peu de temps après, lui remet la clé du domaine sertie de 531 diamants, exécutée par le serrurier François Brochois et l'orfèvre joaillier Michel Maillard. Toujours sans héritier à offrir à la France et toujours considérée comme une étrangère même par la famille royale qu'elle n'aime pas, le mariage entre Marie-Antoinette et Louis XVI a mis 7 ans à être consommé. La reine devient la cible de premières chansons hostiles dès son accession au trône, qui circulent de Paris jusqu'à Versailles. Des pamphlets, une œuvre littéraire qui attaque un pouvoir, une institution ou une personne connue. Dénonciations, caricaturale, dénigrement, et des libelles orduriers circulent. Un libelle est un petit livre à caractère satirique, insultant ou diffamatoire. Ses déboires conjugaux étant publics, on l'accuse d'avoir des amants, le comte d'Artois, son beau-frère, le comte suédois Hans Axel de Fersen, ou même des maîtresses, la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe, de dilapider l'argent public en frivolité, robe de Rose Bertin, parfum de Jean-Louis Fargeon, ou pour ses favoris, de faire le jeu de l'Autriche, désormais dirigée par son frère Joseph II. De plus, le couple royal n'arrive pas à procréer, ce qui alimente les rumeurs sur elle, impuissance de Louis XVI ou la stérilité de Marie-Antoinette, rumeurs généreusement répandues par le comte de Provence, successeur potentiel de son frère, qui se juge seul apte à gouverner. Sa mère Marie-Thérèse, craignant pour la survie de l'alliance franco-autrichienne et que sa fille puisse être répudiée, acte par lequel l'un des époux formant un couple, décide de rompre le mariage qui les lie, envoie son fils aîné Joseph le 19 avril 1777 à la cour de France afin d'analyser au mieux la situation du couple. Le roi se révèle en fait juste inexpérimenté, car c'est tout simplement une personne timide maladive qui est réservée et solitaire mais également intimidée par sa femme avec qui il ne s'entend pas. Cette dernière, peu attirée par son époux, se montre réticente à accomplir le devoir conjugal. Mais, Marie-Antoinette est fière d'apprendre à sa mère, dans une lettre datée du 30 août 1777. « Je suis dans le bonheur le plus essentiel de toute ma vie. Il y a déjà plus de 8 jours que mon mariage est parfaitement consommé. Je ne crois pas être grosse encore, mais au moins j'ai l'espérance de l'être d'un moment à l'autre. La coutume royale veut que l'accouchement de la reine se passe en public. » Cela est nécessaire pour prouver la légitimité de l'enfant, qu'il soit bien de la reine et qu'il ne soit pas subtilisé à la naissance. Pour Marie-Antoinette, c'est un vrai calvaire et la répugne au plus haut point car étant pudique. Elle déteste cette pratique qui est pourtant inévitable. Mais elle est obligée de s'y soumettre. Pour les autres naissances, Marie-Antoinette a recours à des subterfuges. Après de nombreuses années d'attente, Marie-Antoinette donne naissance à sa première fille, Marie-Thérèse Charlotte. D'ailleurs, cette naissance tant attendue apparaît suspecte et fait naître la rumeur de bâtardise de l'enfant, la paternité de la princesse étant attribuée au comte d'Artois ou au duc de Coigny. Personne ne veut manquer cet événement,
Au mois de décembre 1778, plus de 200 courtisans qui séjournent habituellement à Paris viennent se loger au château. Toute la cour a suivi son accouchement. La reine ne peut avoir aucune vie privée, on connaît même la date de ses premières règles, le 7 février 1770 dès ce jour, son mariage est fixé. Après 7 ans d'union avec Louis XVI, Marie-Antoinette est enfin enceinte. Elle doit accoucher devant toute la cour pour éviter des suspicions de fraude, par exemple, une substitution d'enfant. La reine ressent les premières douleurs et fait appeler Louis à 1h30 du matin. Madame de Lamballe, surintendante de sa maison, avertit d'urgence la famille royale. Quand les douleurs reviennent avec violence, on installe Marie-Antoinette dans un petit lit de travail dressé exprès près de la cheminée. Dans l'antichambre de la reine et le cabinet du roi, les courtisans sont si nombreux qu'ils se répandent jusque dans la galerie des glaces. Tous impatients, et lorsqu'on enfin les portes s'ouvrent, tous s'élancent dans les appartements de la reine et s'agglutinent jusqu'à son lit. Même du temps de Louis XIV, on n'avait jamais vu une aussi grande foule. La souveraine croit mourir, et serre les dents pour ne pas donner à ses yeux scrutateurs le spectacle de sa souffrance. Cette naissance pour la reine est un supplice, on croit que l'enfant est mort. Mais des gémissements se font entendre, l'enfant est en vie, mais Marie-Antoinette n'a pas le temps de s'en réjouir. Elle n'en peut plus avec la tension, l'émotion, l'atmosphère confinée et étouffante, le vacarme des courtisans, et surtout le travail éreintant de 12 heures. Marie-Antoinette est prise d'une convulsion et s'évanouit. Il faut la saigner pour la réanimer et reprendre les suites naturelles de l'accouchement. Elle n'apprend que plus tard qu'elle a donné le jour à une fille, et pleure abondamment. Baptisée Marie-Thérèse Charlotte, surnommée Madame Royale, ou Mousseline la Sérieuse. La petite sera très choyée par ses parents, et sera l'unique survivante de sa famille après la Révolution. Peu après la naissance de sa fille, un extrait d'une lettre du 15 mai 1779, « Ma fille se porte bien. Elle commence à connaître les personnes qu'elle voit le plus. J'en suis encore séparée, étant à Marly et elle à Versailles, mais j'y vais le plus souvent que je puis. » Autre extrait, elle marche toute seule, se baisse et se relève sans qu'on la tienne, mais elle ne parle guère. J'ose confier au tendre cœur de ma chère maman un bonheur que j'ai eu il y a 4 jours, étant plusieurs personnes dans la chambre de ma fille. Je lui ai fait demander par quelqu'un où était sa mère. Cette pauvre petite, sans que personne lui dise mot, m'a souri et est venue me tendre les bras. Lettre du 11 octobre 1780, la santé de ma fille m'a occupé et un peu inquiété depuis 3 semaines, plusieurs dents qui ont voulu sortir tout à la fois lui ont causé de grandes douleurs et donné une fièvre qui s'est réglée en tierce. La sonne en envoie le détail à ma chère maman, et m'assure qu'il n'y a pas de danger. Depuis hier l'accès a manqué, Dieu veuille que cela soit fini, je suis touché de la douceur et de la patience de cette pauvre petite au milieu de ses souffrances, qui dans certains moments ont été fort vives. La reine souffrira dorénavant de graves problèmes d'ordre gynécologique, et ses futures grossesses seront très difficiles. Fièvre à répétition, chute de cheveux, très grande fatigue. Un état inquiétant que les médecins aggravent en la saignant 4 à 5 fois à chaque nouvelle grossesse. Lorsque Louis apprend que son épouse attend un nouvel enfant, le roi se souvient de l'enfer lors de la naissance de Madame Royale, et il refuse de lui faire subir le même supplice. Il prend des libertés avec le protocole. Jour de l'accouchement, du dauphin Louis-Joseph Xavier François de France, seuls les membres de la famille royale, quelques dames de la maison de la reine et le garde des sceaux sont autorisés à pénétrer dans la chambre de la reine. Que les autres patientent dans le salon voisin. Louis XVI accepte de les laisser entrer au tout dernier moment, et encore, il reste bloqué au fond de la pièce, pour que l'air puisse circuler correctement. Marie-Antoinette donne naissance au fils tant attendu, que Louis XVI lui présente avec ces mots, « Monsieur le dauphin demande à entrer ». Mais, Louis a beau alléger les contraintes de l'accouchement public, c'est toujours trop pour la reine, qui ne supporte pas d'être ainsi, dans un moment aussi intime. Elle fera d'ailleurs 2 fausses couches en 1779 et 1783. Marie-Antoinette observait attentivement ses enfants, connaissait leurs défauts et leurs qualités, et pratiquait un système d'éducation fondé à la fois sur la fermeté et la psychologie. Un non venant d'elle était irrévocable. Une punition s'assortisse d'une explication et de l'expression de sa propre déception. Elle insistait aussi pour qu'on apprenne à son fils à demander pardon, ce qu'il ne faisait qu'avec d'immenses difficultés.
elle veillait à corriger son tempérament colère, sa tendance à la mythomanie. Elle a toujours voulu enseigner à ses enfants l'importance d'aider les pauvres quand ils en ont besoin, de faire des dons et de se priver soi-même quand il le faut. D'ailleurs, c'est une caractéristique que l'on retrouvera chez la duchesse d'Angoulême, qui fera énormément de dons pour les pauvres pendant la Restauration. Elle fit venir de Paris les derniers jeux à la mode pour enfants, et elle les montra à ses deux enfants aînés. Elle leur annonça, alors qu'ils devaient regarder ses jouets avec des yeux étincelants, qu'elle avait pour projet de le leur offrir, mais qu'avec la dureté de l'hiver 1784 à 1785, elle avait épuisé toute sa réserve personnelle et que par conséquent il devrait s'en priver, pour les pauvres. Et là encore une grande marque de sa gentillesse, il paraît même qu'elle aurait fait donner 50 louis au marchand de jouets venu exprès à Versailles, pour le dédommager de son déplacement inutile. Dans l'ensemble, on dit de Marie-Antoinette qu'elle a un bon caractère mais qu'elle est en même temps partiale, ce qui est le trait déplaisant de son caractère, la partialité. Beaucoup accusent Marie-Antoinette de légèreté. À commencer par sa propre mère. Elle aime seulement se divertir. La reine possédait le visage caractéristique des Habsbourg, front haut trop bombé et lèvres inférieures dédaigneuses, une véritable enfant de la famille. Elle avait des cheveux blonds cendrés tirant sur le roux. Elle a aussi de beaux yeux bleus, et elle souffre également de myopie durant toute sa vie. On disait qu'elle n'était pas d'une beauté régulière mais son teint unique de lis et de rose, son port de tête majestueux, et son regard de porcelaine et son sourire agréable lui donnent un charme infini de grâce et de fraîcheur. Voici d'ailleurs des récits de personnes qui l'ont approchée. Madame Vigée Lebrun, portraitiste, sa beauté n'est pas régulière. D'aucuns lui reprochent aussi la mâchoire trop forte des Habsbourg et une poitrine trop abondante. Elle est « grande, admirablement faite, avec « des bras superbes ». Sa peau, dit encore sa portraitiste, était si transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. C'était la femme de France qui marchait le mieux. Tilly, on n'a jamais fait la révérence avec tant de grâce, s'émerveille elle salue 10 personnes en se ployant une seule fois. De la tête et du regard, elle donne à chacun ce qui lui revient. L'intelligence n'est pas moins vive. La correspondance le montre. Marie-Antoinette aime le théâtre, la comédie, le jeu comme le pharaon, le trictrac et le billard. Elle aime la danse, le théâtre et la musique, on dit qu'elle ne danse pas en mesure, écrit Horace Walpole, mais alors c'est la mesure qui a tort. Elle a toujours eu, même en France, cette passion de la musique, de l'opéra. Elle participait même à la promotion et à la publicité des musiciens qui lui plaisaient, comme Gluck qui lorsqu'il est venu en France a bénéficié du coup de pouce de la reine, pour ses opéras comme « Iphigénie en Olyde ». Elle aimait aussi beaucoup des artistes comme Salieri, Grétry, Rameau, Haydn, dont elle chantait des extraits de leur musique avec des amis, Élisabeth Vigée Lebrun entre autres, dans le cabinet doré, ou au Petit Trianon. Elle chasse également. Le duc de Croix rapporte qu'elle monte supérieurement. Elle aime les toilettes. Pour le choix de ses tenues, elle bénéficie des conseils de Rose Bertin, pour les parfums de celui de Jean-Louis Fargeon, et pour les coiffures de celui de Léonard-Alexis Autier. Elle aime également les voyages dans les différents châteaux de la cour autour de Paris, l'aménagement intérieur et la décoration. Elle lit même si la lecture n'est pas son passe-temps préféré. Marie-Antoinette souffre de l'indifférence de son époux à son égard. Elle se console donc dans les plaisirs de la cour et, baignant dans un luxe certain, s'adonne avec joie aux spectacles, fêtes et bals qu'elle se plaît à organiser. Elle s'entoure d'aristocrates, de femmes comme la duchesse de Polignac ou la princesse de Lamballe. Les réunions entre amis se déroulent au Petit Trianon à Versailles où Marie-Antoinette y passe ses plus beaux moments, elle inaugure son jardin anglo-chinois, fait construire un petit théâtre pour y jouer des pièces. Musicienne, elle chante, joue de la harpe et du clavecin. Protectrice des arts, elle s'entoure de nombreux artistes, dont la peintre Élisabeth Vigée Lebrun, qui exécute une 30aine de portraits de la souveraine et immortalise son goût pour la mode. Marie-Antoinette choisit elle-même ses robes et sa coiffure auprès de la modiste Rose Bertin, que le peuple surnomme avec mépris la « ministre des modes ». Certaines de ses robes nécessitent jusqu'à 15 mètres de tissu. C'est la mode des poufs, ces hautes sculptures capillaires que crée le coiffeur Léonard et qui caractérise si bien la reine. Marie-Antoinette est l'exemple à suivre en la matière et la mode de Versailles influence toutes les cours européennes. Mais voilà, le problème c'est que le budget des toilettes de la reine est multiplié par 3. Et elle écope d'un surnom en conséquence, Madame Déficit.
Marie-Antoinette se rend enfin compte de son impopularité et tente de réduire ses dépenses, notamment en réformant sa maison, ce qui déclenche plutôt de nouveaux éclats quand ses favoris se voient privés de leur charge. Rien n'y fait, les critiques continuent, on l'accuse de tous les maux, notamment d'être à l'origine de la politique anti-parlementaire de Louis XVI. L'affaire du collier est une escroquerie qui a pour victime en 1785, le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, et qui éclabousse la réputation de Marie-Antoinette. En 1772, le roi Louis XV souhaite faire un cadeau à Madame du Barry, il demande alors aux joailliers Boehmer et Bassange de créer un collier de diamants inégalable. Cela prend au bijoutier un certain temps, du fait de la qualité des pierres à collecter, Louis XV meurt entre-temps. La valeur du collier était de 1 600 000 livres, donc peu de personnes s'y intéressent. Louis XVI le propose à Marie-Antoinette mais cette dernière le refuse. Selon Madame Campan, la reine aurait déclaré que l'argent serait mieux dépensé pour l'équipement d'un navire de guerre. Avec ce bijou si lourd en dépenses, Boehmer et Bassange sont menacés de ruine, mais sautent sur l'occasion lorsqu'un acheteur se fait connaître, le cardinal de Rohan, qui pense agir pour la reine, grâce à l'entremise de Jeanne de la Motte qui est une descendante d'un bâtard d'Henri II. Elle se fait donc passer pour une Valois, ce qui la rend tout de suite plus crédible aux yeux du cardinal. Madame de la Motte explique les conditions dans lesquelles elle a connu Rohan par l'intermédiaire de la marquise de Boulainvilliers. Elle déclare avoir bénéficié de la protection de Madame, la comtesse de Provence, et obtenu grâce à elle une pension annuelle de 1 500 000 livres du roi, en 1784. Un rendez-vous avec Marie-Antoinette, en réalité, la prostituée Nicole Leguet qui ressemblait à s'y méprendre à la reine, un soir dans le parc de Versailles, au bosquet de Vénus. Elle met en route une fausse correspondance, le naïf mais ambitieux cardinal accepte donc sa mission avec zèle, clamant à qui voulait l'entendre qu'il était enfin devenu « intime » de sa majesté. La reine reçoit une lettre des bijoutiers Boehmer et Bassange qui réclame à la reine 1,6 million de livres pour l'achat d'un collier de diamants acquis en son nom par le cardinal de Rohan qui a mené les négociations, au nom de la reine, mais la reine ignore tout de cette histoire. Elle n'y comprend rien et brûle le document en présence de Madame Campan. Marie-Antoinette, de plus en plus scandalisée, presse Vermont et Breteuil de faire éclater l'affaire au grand jour. La reine donne naissance à son second fils, Louis-Charles de France, Louis XVII, futur prisonnier du Temple. Marie-Antoinette recourt à un subterfuge qui, sans abolir la pratique intrusive de l'accouchement public, lui permet d'en limiter la pénibilité. Au petit matin, la reine sent que le travail est imminent. Elle ne met dans la confidence que son amie la duchesse de Polignac, et donne le change face aux courtisans pour dissiper leurs soupçons. Elle se fait ainsi violence pour repousser jusqu'à l'extrême limite le moment d'en faire l'annonce officielle. La ruse de la souveraine a parfaitement fonctionné. Après de longues concertations avec l'abbé de Vermont et le ministre, il est décidé que ce dernier en parle au roi. Le roi est prévenu de l'escroquerie, le roi exige que le nom de sa femme soit lavé de l'affront. Et alors que le cardinal, qui est également le grand aumônier de France et qui s'apprête à fêter en grande pompe la messe et l'Assomption dans la chapelle du château de Versailles. Il est convoqué dans les appartements du roi en présence de la reine, du garde des Sceaux Miroménil et du premier ministre de la maison du roi Breteuil, il se voit sommé d'expliquer le dossier constitué contre lui. Le prélat comprend qu'il a été berné depuis le début par la comtesse de la Motte. Il envoie chercher les lettres de la « reine ». Le roi réagit, comment un prince de la maison de Rohan, grand aumônier de France, a-t-il pu croire un instant à des lettres signées « Marie-Antoinette de France ». La reine ajoute, « Et comment avez-vous pu croire que moi, qui ne vous ai pas adressé la parole depuis 15 ans, j'aurais pu m'adresser à vous pour une affaire de cette nature ?» Le cardinal tente de s'expliquer. « Mon cousin, je vous préviens que vous allez être arrêté », lui dit le roi, un cardinal escroc. La reine impliquée dans une affaire de faux. Que de fanges sur la crosse et le sceptre. Quel triomphe pour les idées de liberté. Le roi se retourne vers le cardinal. Je fais ce que je dois. Et comme roi. Et comme mari, sortez. À la sortie des appartements du roi, il est arrêté en pleine journée dans la galerie des glaces, sous les yeux des nombreux courtisans médusés.
Le cardinal sera emprisonné du 16 août 1785 au 1er juin 1786. Il commence immédiatement à rembourser les sommes dues, en vendant ses propres biens, dont son château de Couvray. La comtesse de La Motte est arrêtée, son mari s'enfuit à Londres, où il bénéficie du droit d'asile, avec les derniers diamants, Reto de Villette est déjà en Suisse. Après avoir brièvement résumé l'affaire à son frère Joseph II, Marie-Antoinette conclut « J'espère que cette affaire sera bientôt terminée, mais je ne sais pas encore si elle sera renvoyée au Parlement ou si le coupable et sa famille s'en rapporteront à la clémence du roi, mais dans tous les cas, je désire que cette horreur et tous ses détails soient bien éclaircis aux yeux de tout le monde. » Le roi confie l'affaire au Parlement et l'affaire est jugée par Étienne-François d'Aligre. Le Parlement propose d'envoyer une délégation à Versailles afin d'entendre la déposition de la reine. Louis XVI refuse offusqué qu'on puisse considérer la reine de France comme une justiciable normale. Il y a longtemps que les parlements ont oublié que la justice n'émane que du roi seul et qu'ils n'en sont que ses humbles représentants. Mais néanmoins Marie-Antoinette accepte d'envoyer un mémoire pouvant éclaircir les conseillers. Cette pièce a aujourd'hui disparu. Après écoute des deux prévenus, d'autres suspects et témoins sont arrêtés. En Suisse pour le faussaire et amant de la comtesse de La Motte, Louis-Marc-Antoine Reto de Villette et à Bruxelles le 20 octobre 1785, Nicole Leguet, dite la baronne d'Oliva, prostituée ayant joué le rôle de la reine lors de la scène du Bosquet, son amant est Cagliostro qui promit monts et merveilles au cardinal. Tout ce petit monde est écroué, à la Bastille, où les conseillers du Parlement se rendent pour les entendre. Les prisonniers ne sont pas tenus au secret et peuvent donc se retrouver régulièrement. Seul le mari de la principale coupable, le soi-disant comte de La Motte, a pu s'échapper à Londres, dépensant et vend sans problème les diamants du collier. On interpelle aussi Cagliostro et Nicole Leguet à Bruxelles avec son amant dont elle est enceinte. L'avocat Jean-Jacques Duval des Préménil, connu pour son opposition systématique au pouvoir royal, veut défendre son ami Cagliostro qu'il retrouve dans des loges ésotériques. Ses critiques de la cour sont particulièrement virulentes. Jean-Jacques Duval des Préménil, conseiller du Parlement de Paris et opposant au pouvoir monarchique, il est soutenu par un public friand de l'histoire, ravi de voir la reine de France traîner dans la boue. Nicole Leguet accouche à la Bastille. Le roi laisse au cardinal le choix de la juridiction qui aura à se prononcer sur son cas, ou bien s'en remettre directement au jugement du roi en huis clos, ou être traduit devant le Parlement de Paris. Ceci s'avère fort malhabile de la part de Louis XVI, le cardinal décide de mettre l'affaire dans les mains du Parlement qui est toujours, plus ou moins en fronde contre l'autorité royale. Le Parlement se réunit pour entendre la lecture des pièces de l'affaire. La Grande Chambre et la Tournelle réunies sous l'égide de son président d'Aligre, rassemblant 64 juges sans compter les conseillers honoraires et les maîtres des requêtes. Les princes du sang et les pairs se sont récusés. Maître Fremin fait office de greffier. Les prisonniers de la Bastille sont enfin écroués à la conciergerie. Jeanne de La Motte, l'instigatrice de l'affaire du collier, qui avait toujours eu de velléité d'appartenir à la famille royale, est enfin invitée à loger au palais du roi Robert II le Pieux. Pour y être jugée. L'avocat Joseph Omer Joly de Fleury, désigné comme le procureur général, donne son réquisitoire. Que la pièce signée « Marie-Antoinette » soit déclarée frauduleuse. Que le comte de La Motte, par Coutumas et Reto de Villette soit condamné aux galères à perpétuité. Que la comtesse de La Motte soit fouettée, marquée du V de voleuse et enfermée à perpétuité dans la prison de la Salpêtrière. Que le cardinal, dans un délai de 8 jours, admet publiquement son erreur de la scène du Bosquet, sa tromperie envers les marchands et qu'il demande pardon au roi et à la reine. Qu'il soit également démis de ses charges, à faire l'aumône aux pauvres, de s'éloigner des résidences royales et de rester en prison jusqu'à la déclaration de l'arrêt. Il conclut que le cardinal est doublement coupable par sa haute naissance et par ses charges prestigieuses d'avoir osé croire en la scène du Bosquet et négocier l'achat du collier au nom de la reine. Reto de Villette, écouté le premier, avoue avoir signé les lettres « Marie-Antoinette de France »
mais ne croit pas avoir falsifié la signature de la reine puisque justement elle ne signe pas « Marie-Antoinette de France ». Le cardinal de Rohan comparaît dont l'état de souffrance, l'humilité touche les magistrats qui l'entendent pendant plus de 2 heures. Puis est attendu Nicole Le Guay dite baronne d'Oliva, un huissier excuse son absence car la prévenue donne le sein à son nouveau-né. Les procès-verbaux notent, la loi se tue devant la nature. Cagliostro apparaît le dernier, fier et triomphant, racontant sa vie abracadabrantesque. À 6 heures du soir, les prisonniers retournent à la Bastille en voiture séparée. Le cardinal et Cagliostro sont acclamés par la foule. Toutes les salles du palais, les rues alentours sont bondées de monde. Le Guay à pied ou à cheval circule du Pont Neuf à la rue de la Barillerie. Les prisonniers sont déjà arrivés. La comtesse de Brionne vient de faire une scène au président d'Aligre, l'accusant d'être à la cour. Née Rohan et tante du cardinal, elle oubliait que par son mariage elle est une princesse Lorraine et donc cousine de Marie-Antoinette. Ces messieurs du Parlement entrent dans la grande chambre, comme le veut la tradition, leurs conclusions sont installées sur le bureau. Mais avant de les ouvrir, le conseiller Robert de Saint-Vincent se lève pour protester énergiquement contre la garde militaire qui entoure continuellement le cardinal et empêche son avocat de l'approcher. Le premier président rappelle qu'il y a des ordres. Mot qui provoque aussitôt des rumeurs. Enfin, l'avocat est autorisé à s'approcher de son client. Le Parlement déclare les approuver en bas du contrat de vente du collier et les « Marie-Antoinette de France » comme faussement attribués à la reine. Puis à l'unanimité des 64 magistrats, la comtesse de la Motte est déclarée coupable. 2 magistrats, Saint-Vincent et Dionys du Séjour, d'autres disent Delpech et Amelot, réclament contre elle la peine de mort. Il s'agit en réalité d'une manœuvre des amis du cardinal. En effet, la peine de mort est proposée, les conseillers appartenant au clergé ne peuvent plus siéger, or sur les 13 clercs, seuls 2 sont favorables à Rohan. Le comte de la Motte est condamné par contumace aux galères, Réto de Villette banni, Nicole Le Guay mise hors de cour, acquittement avec notion de blâme pour avoir osé se substituer à la reine de France dans une scène d'escroquerie, Cagliostro déchargé de toute accusation. Au sujet du cardinal, les parlementaires s'opposent en 2 camps, les rapporteurs de l'enquête Titon de Villotran et Dupuis de Marsay se rangent du côté du procureur Fleury. Boulat de Montgaudefroy, en tant que doyen de l'Assemblée, se prononce pour l'acquittement pur et simple. Il faut dire que son neveu, trésorier de la grande écurie, travaillait directement sous les ordres de la comtesse de Brionne. Le conseiller de Saint-Vincent s'oppose encore au réquisitoire du procureur, estimant que ces mots proviennent directement du ministère. Aucune peine ne peut être prononcée contre celui qui n'a été que la dupe d'une escroquerie. Si Mademoiselle d'Oliva, Cagliostro et le cardinal de Rohan sont rapidement libérés, Jeanne de la Motte et Réto de Villette restent à la conciergerie, ignorant leur sort. D'après Bachaumont, la prisonnière mange à la table du concierge Hubert, chez qui elle reste pendant la journée, passant par des alternatives d'espérance et de désespoir, tandis que son amant joue du violon pour les prisonniers. Apprenant l'acquittement du cardinal, Jeanne entre dans une fureur terrible, elle saisit son pot de chambre et se le brise sur la tête. Elle tremble de toutes parts et le sang coule sur son visage. 2 femmes doivent désormais coucher auprès d'elle. L'exécution prévue est ajournée. Certains disent que la comtesse de la Motte sera finalement graciée par le roi, que Marie-Antoinette l'a prise en pitié. Après le cardinal acclamé par l'opinion, c'est au tour de Jeanne de la Motte d'être considérée comme la victime innocente de la reine. Quoi que fasse cette dernière, l'opinion la veut coupable. Naissance de la princesse, Sophie-Hélène Béatrice de France née prématurée, prend au dépourvu les courtisans, le roi et la reine elle-même. Marie-Antoinette met davantage de temps à se remettre de ce dernier accouchement, ses problèmes gynécologiques s'aggravant sensiblement. Elle se plaint en outre de grandes douleurs dans les jambes. Jeanne de la Motte est réveillée par le concierge, elle pense devoir repasser devant ses juges, elle refuse de se lever. Elle consent finalement à s'habiller. Arrivée au seuil de la cour de Meille, 4 bourreaux assistés de 2 valets la saisissent,
lui lie les mains et la porte jusqu'au pied du grand escalier. Le greffier Maître Breton, qui a remplacé Maître Frémin, lui ordonne de se mettre à genoux et d'entendre l'arrêt du Parlement. Jeanne change de couleur et un flot d'injures coule de ses lèvres. Elle mord ceux qui l'approchent, déchire ses vêtements, s'arrache les cheveux. Les bourreaux réussissent tant bien que mal à la maintenir agenouillée pendant la lecture du greffier. À l'annonce du fouet et des vées qui lui seront marqués au fer, Jeanne fulmine, « C'est le sang des Valois que vous traitez ainsi. » Et s'adressant au public, « Souffriez-vous que l'on traite ainsi le sang de vos rois? Arrachez-moi à mes bourreaux. » Exécution du supplice de Jeanne de la Motte. Ses cris sont si terribles qu'on les entend dans tout Paris. Elle insulte le Parlement, le cardinal et évidemment la reine. Elle réclame d'avoir la tête tranchée. Elle tombe ensuite dans une sorte de prostration dont elle ne sort qu'à l'annonce de ses biens confisqués. En temps normal, les exécutions se déroulent à midi. Cette heure matinale permet d'éviter la foule de curieux de ces derniers jours. Cela n'a pas empêché 200 à 300 personnes attirées par le cri de venir voir ce qu'il se passe. Le frère de Marc de Rétaux de Villette, magistrat à Bar-sur-Aube, vient le chercher à la conciergerie, craignant les galères, ce dernier y échappe pour un simple exil en Italie. Ce n'est qu'au bout de 3 ans, que le roi autorise au cardinal de Rohan à retrouver son diocèse de Strasbourg. Et ce n'est qu'en 1881 que la famille de Rohan finira par payer le collier, aux descendants des joailliers. Bien que Marie-Antoinette ait été étrangère à toute l'affaire, Innocente sort de l'affaire du collier déconsidérée auprès du peuple. Non seulement l'affront ne fut pas lavé, mais l'opinion publique n'a pas voulu croire en son innocence. Accusée depuis longtemps de participer, par ses dépenses excessives, au déficit du budget du royaume, elle subit à cette occasion une avalanche d'opprobre sans précédent. Il généra une réelle campagne de désinformation étendue à tout le royaume. Les libellistes laissent libre cours aux calomnies, des pamphlets où on utilise ce surnom péjoratif, l'Autrichienne, se faisait offrir des diamants pour des prix de ses amours avec le cardinal. C'est à la même époque qu'est diffusée une littérature diffamante à propos des amours de la reine et du roi. Parmi ces représentations, l'une fut très populaire. Les amours de Charlot et Toinette, caricature du couple royal, 1789, un succès de librairie. Madame de la Motte, qui elle a nié toute implication dans l'affaire, reconnaissant seulement être la maîtresse du cardinal, est parvenue à s'évader de la salpêtrière, au bout de quelques semaines, grâce à de mystérieuses protections. Le duc d'Orléans met sur pied une quête publique en sa faveur. Elle gagne l'Angleterre et publie à Londres un récit, dans lequel elle raconte sa liaison avec Marie-Antoinette, la complicité de celle-ci depuis le début de l'affaire et jusqu'à son intervention dans l'évasion. On sait d'ailleurs que la princesse de Lamballe a cherché à visiter Jeanne de la Motte à la salpêtrière, et on l'accueille en ces mots: Madame de la Motte a été condamnée à être enfermée, pas à vous recevoir, mais demeure le mystère de la raison de cette visite. La petite Sophie Béatrice de France meurt, venant à peine d'atteindre sa première année. La reine est tellement affectée par la perte de son « cher petit ange », elle vivra très douloureusement cette perte. Thank you.